Alors, cet événement, effectivement, c'est un ensemble de partenaires qui sont avec nous aujourd'hui pour débattre de grands enjeux autour de l'attractivité des territoires. L'attractivité, parfois, c'est vu comme les voyages au bout du monde, les investisseurs internationaux, et puis des indicateurs un peu abscons, finalement. Ce qu'on a voulu faire, c'est un événement qui parle à tous, qui explique, en fait, en termes concrets, ce que l'attractivité et le travail des acteurs autour de ces sujets, ce que ça apporte au territoire en termes d'emploi, en termes d'innovation, en termes de transformation aussi de nos industries, pour effectivement montrer ce travail quotidien qui bénéficie finalement à tous. Alors aujourd'hui, ça a été une journée assez dense, effectivement, en termes de contenu et en termes d'interaction extrêmement riche entre tous ces acteurs qui font l'attractivité au quotidien, des collectivités, des acteurs privés, des chefs d'entreprise. Et puis, finalement, une étude aussi qui a été dévoilée et qui montre que l'Île-de-France aujourd'hui se positionne de manière extrêmement positive sur tout un tas de critères, que ce soit la stabilité juridique et politique, ce à quoi on aurait pu douter dans le contexte Gilets jaunes. Parfois, cet enseignement que les Français se voient parfois peut-être un petit peu plus noirs que ne l'est la réalité. Et puis aussi, je retiens le fait que sur le développement durable, l'Île-de-France est en train de prendre un vrai leadership en Europe et dans le monde. C'est ce que montrent à la fois les enquêtes d'Opinionway, de KPMG, et puis l'ambition extrêmement forte que portent nos grands groupes privés, que ce soit le groupe Renault autour de son usine de Flins, qui va devenir un centre d'expérimentation de taille extrêmement importante sur le rétrofit des véhicules électriques. Donc voilà, moi c'est des véhicules, pardon. Donc voilà un petit peu ce que je retiens aujourd'hui. Énormément d'énergie et un avenir plutôt enthousiasmant, en tout cas pour toute cette équipe francilienne de l'attractivité. L'Île-de-France est la seule grande métropole de taille mondiale avec Londres, la seule du coup en Europe aujourd'hui, avec sa taille. Le nombre d'habitants, la taille de son économie qui est l'équivalent de celle de la Turquie, de la Suisse, elle est aujourd'hui une place incontournable pour les investisseurs, que ce soit dans le domaine de la finance ou des services, mais aussi pour des investisseurs dans l'industrie, dans la logistique, que ce soit des startups, des grands groupes, que ce soit pour des centres de R&D, que ce soit pour des centres de décision Europe, pays arabes et Moyen-Orient. Il y a effectivement cette grande diversité d'activités, un extrêmement fort dynamisme et capacité aussi à recruter des talents de toutes nationalités qui font qu'aujourd'hui, l'Île-de-France a sa place parmi les grandes métropoles mondiales.